Clark and Daily Planet. Alors comme ça, c'est votre dernière musique pour une scène de la Justice League. Oui, oui, tout à fait. Nouvelle musique pour Justice League, enfin, pour une nouvelle scène en tout cas, avant que la fameuse Snyder Cut sorte. Alors, dans cette musique, on reconnaît vachement le genre Man of Steel, Batman vs Superman. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, je pense qu'il y a un univers, quelque chose à respecter, c'est-à-dire que... Prenons Star Wars, on ne peut pas faire d'un Star Wars sans une musique de John Williams, vous voyez. Donc ici, quelque chose est parti de Man of Steel, alors il faut que tout ceci nous revienne à l'esprit, vous voyez, les percussions, tout le style, c'est tout un univers qu'il faut respecter. Sinon, ça n'a aucun intérêt à mon sens. Alors, la nouveauté dans cette musique, c'est quand même, il faut le dire, le thème de Flash que vous avez créé. Absolument, oui. Alors, la nouveauté dans cette nouvelle scène, c'est le thème pour Flash que j'ai créé. Et je pense que beaucoup vont l'apprécier et en voudraient une version plus longue. Mais non, s'il vous plaît, non, n'insistez pas, je ne le ferai pas. Bon, d'accord, je le ferai. Ok. Oui, enfin, en même temps, on vous a rien demandé. Alors une question que les gens se posent, c'est est-ce que vous avez un compositeur favori? Tout à fait, oui, bien sûr, j'ai des compositeurs favoris, absolument. Hans Zimmer, par exemple. Hans Zimmer? Non, pas trop, non. Bon, et bien en tout cas, merci pour ce nouvel exercice à la composition. Les gens maintenant n'attendent plus que la fameuse Snyder Cut avec la musique de Tom Junkie XL. Voilà, c'est plus simple à dire. Ce n'est pas moi qui fais la musique de la Snyder Cut? Non. Mais c'est qui alors? Tom Junkie XL. Tom Junkie XL, c'est plus simple à dire.